Je vous demande d'accueillir Sir Alan Parker. Please welcome Sir Alan Parker, the one and only knight. Thank you very much. I'm very pleased to be here, and thank you very much for inviting me in this extraordinary building. I hope I can be of some interest to you, but maybe not, who knows. So Beatrice, you want to begin with... At the moment, we're just starting. We're not into the masterclass yet. Alors voilà, merci, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Et j'espère que dans quelques instants, je saurai vous intéresser. En tout cas, je l'espère. Je suis très heureuse de vous remettre, Sir Alan Parker, ce trophée d'honneur du Champs-Élysées Film Festival. C'est pour vous. Merci. Trophy of honor of the Champs-Élysées Film Festival. Another of your many awards. Very nice, thank you very much. That's nice. Alors, dans quelques instants, nous commencerons une conversation, une masterclass avec Sir Alan Parker. Mais en attendant, if you want to just go down, because we're going to show, I think, a few images from your films. Voilà, on trouvait que avant de lancer cette conversation avec vous, entre nous, eh bien, nous voulions vous présenter en quelques minutes vraiment les films d'Alan Parker. Your name Robinson? You work with Fat Sam? Anybody who is anybody will soon walk through that door at Fat Sam Grand Slam. Speak easy. Pleased to meet you. I'm Bugsy Malone. Don't call us. We'll call you. Who are your influences? Led Zeppelin. Sinead O'Connor. John Baez, Joni Mitchell. Wings. Nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. When I look in the mirror, the curls of my hair, I see your face just smiling, yeah, yeah. I'm black and I'm proud. Wheelchair immediately for Miss Lightbody, hurry! It is my scientific conclusion that sex is unnecessary and dangerous. He gets erections. Health! The open sesame to the sucker's purse. Eleanor! He was hand-a-bucking
you? Herr Spitzbogel is a doctor. You were masturbating. I was massaging my colon. I know where the colon is. No, and it doesn't stick up in the air. I was in awe of you. In awe of me? What the hell is that? You, the children, four children, and raised them with the back of your hand, you made it so goddamn easy. You always had such a pretty smile. Hey. That consequently, this country is at war with Germany. I can't take no evacuees. She steals your letters and whatever you send us. She hates us and we hate her back. You're really beautiful, Lily. Can I kiss you? This is America, pal, so remember, you're an American. We're at war now. Murdered by white men. They are powerless against us if every single Anglo-Saxon Christian one of us stands together. You got a stupid smile, you know that, pal? Can you see it? Huh? Come on. You can't smile when the bulldozer ran over the black kid's body. Get here! Get here! That again. Safe, yeah. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. You know, some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? No, I didn't know that. There were 35 judges on the High Court. 28 voted for a life sentence. Jesus. Jesus! Ah! Ah! Oh, he's lying, Rip, he's lying! Best thing to do is to get your ass out of here. Catch the Midnight Express. No one who looks through that glass sees a person, they see a crime. I'm not David Gale. I'm a murderer and a rapist, 4 days shy of his execution. Erroneous execution is a lot more politically useful than a last-minute save. Because a last-minute save would only prove the system works. Almost martyrs don't count. It's the baby Jesus, and if you ever need anything, you should pray to him. Will you tell Jesus that we're hungry? Shut up. You might be poor, your shoes might be broken, but your mind is a palace. You like pigeons? What's the like? They fly. They fly, so what? That's enough. You're not the best of us, Birdie. We're both totally screwed up. So this is show business?
could have been anything that we wanted to be. Yes, that decision is ours. It's been decided. And then Dr. Campbell came in and held my hand. It was then that I knew I was going to get better. Look, do you know who I am? No, I don't know, and I don't care. Well, you should know, all right? Because it's my film, Un Film De, okay? So buzz off. You're getting on my bloody nerves. First of all, obviously, thank you for being here with us, Sir Alan. I mean, this is, when I saw again those, I mean, I couldn't help having some goosebumps remembering some of the films. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu cette sensation, mais en revoyant vraiment l'œuvre de cet homme, eh bien, moi, j'avais des frissons en repensant à certains films dont vous avez juste vu quelques extraits. Et voilà. Et, you know, when I looked at, I mean, obviously, starting with the first film, Bugsy Malone, I was just wondering, how crazy were you to start your American career as a director with a film with kids only and a musical? You had to be pretty young and... Est-ce qu'il fallait pas être un peu dingue pour commencer sa carrière de cinéaste aux États-Unis avec quand même un film avec que des enfants et en plus un musical? The truth is it was a pragmatic exercise, really, because all the screenplays I'd written before Bugsy Malone were... in London were very English, and we just couldn't get the money for them. They kept saying, you know, too parochial. And so I said, okay, I'll write an American story. And the only thing I knew about America at the time was American movies. So I made this, wrote this screenplay, which was gangster films and musical films mixed together. And then I had, at the time, I had four small children of my own. So that's the reason that I then had the idea to put kids in. So it was a practical reason, really, just to get started in the film industry. The interesting thing is that in London, in England, the film runs every single Christmas time, you know, so it's still running. And it's on stage at the moment in London. It's quite a big hit on stage. So, yeah, it's amazing that it was just done to get started in the industry, really. Alors c'est vrai que pour moi, c'était en fait un exercice pragmatique, si je puis dire, parce qu'en Angleterre, je n'avais pas réussi à lever des fonds pour monter mon film. À chaque fois que je montrais un de mes scénarios, on me disait non, c'est trop anglais. Donc je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive une histoire américaine. Et je me dis, voilà, l'Amérique pour moi, qui avait vu, évidemment, été élevée avec les films américains, c'était à la fois les films de gangsters et puis évidemment les musicals. Donc j'ai concocté un scénario qui finalement réunissait deux choses. Et puis à l'époque, j'avais quand même quatre enfants qui étaient en bas âge. Donc j'avais envie de les mêler en quelque sorte à cette aventure dans ma tête, et vraiment c'était donc vraiment pragmatique pour commencer ma carrière de réalisateur. Et d'ailleurs aujourd'hui encore, c'est montré chaque Noël en Angleterre, et la comédie évidemment musicale qui est aussi montrée en Angleterre, eh bien, est un grand succès sur scène aujourd'hui en Angleterre. Well, when you obviously we're going to see later on Shoot the Moon, which maybe some of you will discover or rediscover. And in French, it's called L'usure du temps. Looking back at what we just saw, do you remember what your ambition, if that's the right word, was when you started at such a young age? And what is your ambition, if any, now? Vous allez voir un film, Shoot the Moon, qui s'appelle... en français, l'usure du temps, mais en anglais, c'est aussi shoot for the moon, c'est-à-dire aller tendre au plus haut, aller vers ses rêves. Et je voulais donc savoir quels étaient les rêves ou l'ambition, si c'est le terme exact, d'Alan Parker à l'époque, et quels sont ses rêves ou son ambition aujourd'hui. The thing is, when I first started, you're always certain that your first film will be your last film.
I remember when Bugsy Malone opened on the Champs-Élysées in 1976. It said Bugsy Malone, un film de Alan Paker, and they spelt my name wrongly. And I thought, oh God, my career is finished. I'm not even started. And then I walked along a bit further along the Champs-Élysées, and there was a film, and it said, Family Plot by Alfred Hitchcock. So I thought, well, if they get Alfred Hitchcock's name wrong, then I'm okay. But at the time, I thought, yes, especially if you... And then after Midnight Express, the French critics were so horrible to me that I thought that would be the last film I ever made. So it's incredible that I went on to make another 12 more films after that. Quand j'ai commencé, que mon film est sorti en France, en particulier en 76, je me souviens, mon film était sorti sur la Champs-Élysées et je passe devant l'affiche et qu'est-ce que je vois ? Un film d'Alan Paker. Donc ils n'avaient même pas bien écrit mon nom. Mais j'ai été rassurée quand en allant un petit peu plus bas sur les Champs-Élysées, je vois Family Plot, évidemment le fameux film de Alfred Hitchcock est là, qu'est-ce que je vois ? Que également ils ont mis Hitchcock. Donc je me suis dit, donc c'est OK, si mon nom est mal écrit et que celui d'Alfred Hitchcock aussi, ça va, je crois que ma carrière n'est pas totalement foutue et que j'ai un peu d'espoir encore devant moi. Et puis, c'est vrai qu'au moment de Midnight Express, les critiques françaises m'ont absolument assassiné et je me suis dit, ça y est, c'est la fin de ma carrière. Donc, c'est assez incroyable encore aujourd'hui de me dire, voilà, j'ai fait après cela encore 12 films et donc, c'est, voilà, c'était pour moi assez incroyable. When you say actually you made another 12 films and before we give the hand to the public, when you saw those 14 films you made, I mean, do you feel like you've come like full circle? I mean, you've decided to stop, so to speak, we'll discuss that later, filming, but I mean, is it like circle, coming full circle? Voilà, parce que justement, comme Alan Paker parlait, pardon, Sir Alan Paker parlait de ces 12 autres films qu'il a fait ensuite, j'avais envie de lui demander, comme vous avez vu, les 14 films qu'il a fait et il l'a dit il y a 2 ans à Barry qu'il ne retournerait plus de films, s'il a l'impression que la boucle est bouclée, en fait. I think... I don't know about full circle, but I think that what I always tried to do each time was to do a different film. I always reacted to the film that I'd just finished, so I always wanted to do different work each time, and the reason for that is to try and stay creatively fresh, really. And then, you know, there is a danger as you get older that you repeat yourself, and I never ever wanted to do that. So, in a way, you know, that I was lucky enough to be on this journey, and I made 14 films, all of which I'm very proud, and all of which are very different. So I think that, I don't know if it's full circle, but I got to a feeling where, you know, maybe enough is enough. En fait, je ne sais pas si la boucle est vraiment bouclée, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai décidé de tourner un film, c'était en réaction au film que j'avais tourné précédemment. Je voulais absolument rester en quelque sorte neuf créativement, avoir à chaque fois des choses nouvelles à dire. Et surtout pour moi, le grand danger, c'était de me répéter. Je ne voulais jamais être dans la répétition. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, si je puis dire, d'avoir finalement mis en scène 14 films dont chacun vraiment m'a donné du bonheur et dont je suis fière. Ils ont tous été différents, d'un genre différent. Donc, en tout cas, je ne sais pas si la boucle est bouclée, mais en tout cas, ça a été un parcours pour moi très heureux. N'oublie pas que ceci est votre rencontre aussi, votre Q&A. Donc, si vous avez des questions à tout moment, vous pouvez intervenir. Sinon, évidemment, je continue. Oui, question ici. Good evening, sir. Je voulais savoir, justement, puisque vous disiez que vous avez de la chance de faire 14 films avec des sujets différents, ce qui motivait vos choix de films. Vous avez fait des films sur l'Amérique profonde, sur le Vietnam. Et est-ce que, en faisant ces choix de films et de sujets de films, est-ce que vous pensiez aux critiques ? Est-ce que vous aviez peur éventuellement de la réception qu'auraient vos films ? Merci. Well, obviously, you mentioned that you made film on very different genres, and obviously, there were every time a matter of choice. When you chose a topic or a subject matter, first of all, what, because you talk about America, about Vietnam, many other things, what were you guided by
when you chose the topic? And also, was the critical reception something you ever had in mind or feared or not at all? That's a very good question. I think that I always think that I was very single-minded about the kind of subjects I chose. I worked within the American system, and yet I made very individual films, and they didn't interfere with my work, which was very unusual. I think I chose because of trying to... I have a very eclectic taste in all things, eclectic taste in music, eclectic taste in stories, and so that's why the films are so different. The critic thing is, when I was very young, I was very sensitive to critics, because you do believe that you'll never get another chance to do it, because you're that sensitive. And also, you spend 2 years making a film, and it's very hard. You know, in those days, there was an attitude to criticism, which was which has changed completely now. But when you get older, you get more philosophical, and you realise that actually, you know, the films are seen in 60 countries, and in every country, there's at least 20 critics. So that's a lot of people to please, and you can never please everybody. And so in the end, the most important person for you to please is yourself. And that's, as I got older, I realised that all that matters is that have I been truthful to myself in making the film? And if the critics like it, that's great. And if they don't, that's also great. Alors voilà, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'au fond, je suis quelqu'un d'assez têtu. Et malgré le fait que j'ai travaillé à l'intérieur du système américain, c'est vrai que j'ai à chaque fois pu réaliser des films assez particuliers, intimistes, personnels, sans vraiment avoir trop d'ingérence des studios ou des producteurs américains. J'ai des goûts très éclectiques, comme vous avez pu le voir, aussi bien en ce qui concerne la trame de mes films, l'histoire que je raconte, mais aussi la musique, bien sûr. Donc c'est pour ça que mes films à chaque fois ont eu vraiment sont également très différents. C'est vrai que lorsque j'étais jeune, j'étais particulièrement sensible aux critiques parce qu'à chaque fois je pensais, oh là là, je n'aurais plus l'occasion de tourner un autre film, ils m'ont tué. Et puis ça prenait aussi 2 ans à chaque fois de ma vie pour faire un film, en monter un. Donc à l'époque, j'étais très sensible à cela. Et puis... En vieillissant, je suis devenue bien plus philosophe en ce qui concerne les critiques. Les films aujourd'hui sont projetés dans à peu près 60 pays, avec à chaque fois dans chaque pays à peu près une vingtaine de critiques. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qu'il faut contenter. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je me dis le plus important, c'est finalement de se faire plaisir à soi, d'être vrai par rapport à son cinéma. Et c'est ce qui compte et non plus finalement l'opinion des critiques. Vous parliez, you were talking about music and your eclectic taste in music. And obviously, I mean, music is very much part of your cinema, as we saw, not only with Fame, with Evita, with obviously Pink Floyd, The Wall. Is there a music that you're listening, any music, when you're actually writing your stories? I'm not talking about Evita or the obvious scores, but is there music running in your mind? Voilà, on vient de parler dans la réponse de musique, effectivement, et certes, vous avez vu à quel point les goûts musicaux d'Alan Parker sont éclectiques, mais en fait, est-ce que lorsqu'il écrit, puisqu'il écrit, il a écrit beaucoup de ses scénarios, est-ce qu'à chaque fois, il y a une musique du film dans sa tête lorsqu'il écrit et qu'il entend? It's interesting because I do play music when I'm writing, but strangely enough, the music that you play when writing you get fed up with it by the time you finish the script. So you think again, really, and think afresh. So very rarely do I use the same music that you're writing to. But yeah, it is very inspirational. Music can do that to you. I mean, for instance, when you hear Midnight Express music, obviously, I mean, and it got an Oscar for best music. I mean, did you immediately think, were you listening to Moroder's music or anything? Parce que c'est vrai qu'une des musiques les plus emblématiques, dès qu'on entend la musique de Moroder de Midnight Express, voilà, donc est-ce que c'est une musique qu'il a entendue, écoutée pendant Midnight Express? Giorgio came in late. When I finished the film, I laid the music, believe it or not, of Vangelis. Was the music, and I was quite happy with it. And but the film company was also a record company, and they wanted the record for obvious reasons. So their big hit at that time was Donna Summer,
So Giorgio was her producer. So I worked with Giorgio in London and in Munich as an experiment, really, because it was electronic. It was the first electronic soundtrack to win the Oscar. But because it was electronic, it was incredibly easy to change things. And I found that quite a creative process. But as I say, Giorgio was kind of a mistake, really. He wasn't somebody that I wanted to do it from the beginning. He did a very good job. Alors voilà, c'est vrai que j'écoute de la musique lorsque j'écris, mais souvent, à la fin de l'écriture des scénarios, j'en ai tellement marre d'écouter la même musique, à la fin, ce n'est jamais celle-ci qui finalement fait la bande de mon film. C'est très rare. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, pour Midnight Express, j'ai écouté Vangelis. So you were listening to a Greek musician while doing Midnight Express. Yes. So Turkey, OK. Donc il écoutait Vangelis. Et donc, à l'époque, comme la compagnie qui produisait le film était également une compagnie qui produisait des disques, et à l'époque le grand succès c'était Donna Summer, et George Moroder était son producteur. Donc j'ai travaillé avec Moroder à la fois à Munich et à Londres, et c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire des Oscars qu'une musique électronique remportait l'Oscar de la meilleure musique. Ce qui était intéressant, parce qu'avec la musique électronique, on peut facilement changer des choses. Donc c'était très créatif également comme processus. Mais pour tout vous dire, donc au départ, ce n'était pas du tout Moroder que j'avais en tête. Question, est-ce qu'il y en a ? Quelle est la relation avec Pink Floyd sur The Wall ? Yeah. So what was your relationship with the Pink Floyds before, avant le tournage? Est-ce qu'ils sont venus avec le projet? Est-ce que c'est lui qui a écrit? Comment ça s'est passé? Yeah. What was the process? I mean, did you know them before? Did they come up to you with the music, asking you to do like, you know, a film? I mean, basically, how was Pink Floyd The Wall born? It was just coincidental that I had a friend who worked for the record company. And I said to him, I thought Pink Floyd The Wall would make a good film. And he said, that's, you know, Roger Waters would of Pink Floyd, he would like to make a film, so why don't the two of you meet? So it was the record company that put the two of us together, really. And but I was never meant to direct it. I was just going to produce it with Roger Waters. But then certain things happened, and so they came to me and they said, would you direct it? And I said, yes, I didn't want to direct it to begin with because it wasn't really mine. You know, it belonged to Roger Waters. They'd done this big successful stage show with animation by Gerald Scarfe. And so that's the reason I didn't want to do it to begin with. And so I agreed to do it. And I'm very proud of the film, although it was quite the most miserable time I ever had making a film. Yeah. Worse than Evita with Madonna? Oh, much worse, yes. Ooh, much worse. Okay. Yes. No. Madonna is easy compared to Roger Waters. Alors voilà, donc en fait c'était une coïncidence. Voilà, j'avais un ami qui travaillait pour la boîte de disques, et il savait que Roger Waters voulait faire justement un film à partir de leur album, et puis surtout évidemment du spectacle. Donc il a dit, voilà, pourquoi est-ce que tu ne rencontres pas Roger Waters, et puis que vous en parliez. Mais au départ, je devais simplement produire avec Roger Waters, et puis il s'est passé plusieurs choses, et en fait ils sont revenus vers moi en disant, écoute, est-ce que tu ne veux pas finalement mettre en scène le film ? Moi, je ne voulais pas du tout, parce qu'au départ, c'était vraiment pour moi un matériel qui appartenait à Roger Waters. Il y avait avec ce spectacle, l'animation faite par Gerald Scarfe, enfin, tout ça n'était pas une œuvre qui m'était propre ou personnelle, en quelque sorte. Mais j'ai accepté, je suis très fière de ce film, même si je dois dire que ça a été probablement l'expérience la plus terrible de ma vie sur un tournage. J'ai donc dit, pire que Madonna sur Evita. Il a dit, oh là là, comparé à Roger Waters, Madonna, c'était du gâteau, quoi, en quelque sorte. Why was it miserable? We want to know everything. You're here for that. There is a, you know, there's a theory that, you know, good work doesn't necessarily come from a comfortable film set. Yeah, sometimes out of conflict can come good creative work. In fact, that film is a very good film. It's a very innovative film. But I think it's because of the individuals involved, in that there was myself as a filmmaker. I was only used to being in control of everything.
Roger Waters, as a musician, was only used to being in control of everything that he did. And Gerald Scarfe, who did the animation, he was, you know, it's three megalomaniacs together, really. So that's not always good chemistry. Alors, en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un dicton, disons, en tout cas une théorie qui dit que souvent le meilleur travail vient de tournages difficiles. Et c'est vrai que parfois, le conflit est générateur de grande créativité. Et c'est vrai que Pink Floyd The Wall, c'est un film extrêmement innovant pour l'époque. Mais voilà, il y avait un problème, je crois, de personnalité. Il y avait moi, le réalisateur, donc habitué à voir... plein contrôle de mon tournage, de mon plateau. Roger Waters, lui, musicien habitué à avoir total contrôle sur justement sa musique, et Gerald Scarfe, lui, total contrôle sur son œuvre. Donc en fait, c'était la réunion de trois mégalomanes, donc c'était pas toujours évident. You just mentioned megalomaniac, and I read on your website that you said, I make no claims to being the only director to be aggrieved at the sadism and masochism of the filming process. Considering the films we saw, I think you're more of a masochist. Voilà, qu'on parlait de mélagone. Je prends juste une des multiples citations que j'ai vues sur le site de Sir Alan Parker. Je vous invite à aller sur alanparker.com, c'est une mine jouissif de citations, de dessins, enfin, c'est extraordinaire. Et en fait, il dit en gros que dans tout réalisateur, il y a en fait un sadique et un maso qui sont là. Je trouvais que par rapport au film, aux difficultés des tournages qu'il a affrontés, il avait plutôt l'air d'être maso. I have chosen very difficult films to make. I mean, I wish they were easier, but... Some people make a film in, you know, one house, one room. There are always different kinds of films, but for some reason my films have been hard to do. So it's not that I'm a masochist. I did films like The Commitments, for instance, which were just a joy from the moment that I started to the moment I finished. And every day I couldn't wait to wake up and go to work, really. That's not always the way, but... So it depends on film to film. It's not every film is a miserable experience. Alors c'est vrai que vous avez raison, je choisis souvent des tournages et des films difficiles, même si évidemment j'aimerais ou j'aurais aimé qu'ils soient plus faciles. Vous savez, certains réalisateurs arrivent à poser leur caméra dans une maison, une pièce. Bon, moi, ce n'est pas mon cas, mais non, je ne suis pas vraiment masochiste. Par exemple, The Commitments, c'est un film qui était absolument délicieux et un vrai plaisir à tourner. Chaque jour, lorsque je me levais, je n'avais qu'une hâte, c'était arriver sur le tournage. Mais ce n'est pas toujours le cas. Où est le micro? Est-ce que vous avez... Question, où est le micro? Oui. Ah, ici. Oui. Bonsoir. À propos de Mississippi Burning, que je trouve un film absolument extraordinaire, je tiens à ce que vous le répétiez à M. Parker, je voudrais savoir s'il a éprouvé des difficultés particulières avec la population locale, puisque le film a été tourné dans le Deep South, et je suppose que certaines personnes du coin n'appréciaient pas particulièrement ce qui se passait au niveau de l'enquête, d'après les événements réels. Voilà, la première chose. Deuxième chose, je voudrais simplement lui demander... dans sa riche filmographie, que j'admire beaucoup, quel est son film préféré? Et enfin, je voudrais simplement savoir s'il a un cinéaste qui l'a particulièrement inspiré, qui a été pour lui, une inspiration parmi les grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Merci. Well, first of all, the gentleman was saying how extraordinary, and he insisted I repeat his words to you, was Mississippi Burning. So I did it, sir. And as it happens, you're welcome, as it happens in the deep south of America, knowing that it's based on, you know, the real situation then, I wanted to know if you found certain difficulties, you know, with the population or the locals or maybe, I don't know, the forces there. I mean, how tough was this shoot in these terms? After the actual events. So it was a very different Mississippi. When we first arrived, you know, there were the usual death threats that you get, and we had a lot of security, but it turned out there was no problems at all, really. And we filmed the
you know, in Mississippi, and but we filmed a lot of it in Alabama also. So I don't know if that made a difference, but everybody said it was going to be very, very dangerous. But when we arrived, I said, we got a few notes to say, you know, we're going to kill you. But they didn't. That's why I'm sitting here, yeah. It was much more frightening in when I did Evita. We arrived at the airport in Buenos Aires, and as we in the car going to the hotel, every bridge had a graffiti saying, "Go home, Madonna. Go home, Alan Parker." And that was very, very serious. We were very concerned about that. But they always spelled our names incorrectly. So we thought maybe it's just the same person, you know, who couldn't really spell very well, you know. But, Alors, en fait, voilà. Donc, lorsque j'ai tourné Miss Peabody, il y a, c'était 30 ans, évidemment, après les faits. Donc, ce n'était pas aussi dangereux que l'on pouvait le penser, mais c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, on nous avait prévenu qu'il y aurait peut-être des menaces de mort, on avait beaucoup de sécurité qui nous entourait, mais vous savez, nous n'avons pas tourné seulement au Mississippi, mais aussi en Alabama, même si je ne sais pas si ça fait une différence, mais en tout cas, quand nous sommes arrivés là-bas, c'est vrai qu'on a trouvé des petits messages d'accueil très sympas, we're gonna kill you, on va vous tuer, mais comme vous voyez, je suis toujours là, donc ça faisait peur, mais c'était pas aussi effrayant, bizarrement, que mon arrivée à l'aéroport de Buenos Aires quand on allait tourner Evita, ou quand on a pris la voiture pour aller de l'aéroport à l'hôtel. Partout, sur tous les ponts de Buenos Aires, on voyait des immenses affiches en disant « Rentrez chez vous, Madonna, rentrez chez vous, Alan Parker ». Heureusement, là encore, il y avait des fautes d'orthographe. On s'est dit que c'était peut-être l'œuvre d'une personne qui écrivait de toute façon très mal. Donc voilà. The other part of the question was, we saw how rich your filmography is, and the gentleman was wondering if there is a film of all these that you prefer, or that is a special maybe memory to you that will stand up and stand out. It's always very hard to answer that question because each one, I like every one of them, and sometimes you remember for the happy time you had, like, as I say, The Commitments was a happy time, so I always think that was a good film. Other films like Birdie, which was not terribly successful, I like very much. The film tonight, Shoot the Moon, is probably the most personal of all my films, so that I'm very fond of that too. So it's not really the successful ones. It's usually the ones that weren't very successful that you like the best. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de répondre à une telle question parce que, au fond, je les aime tous, mais c'est vrai que parfois on a tendance à préférer peut-être ceux dont le tournage s'est très bien passé. On a tendance en tout cas à le faire, comme par exemple The Commitments dont je vous parlais tout à l'heure. D'autres films comme Birdie qui n'ont pas connu un grand succès restent importants pour moi. Et L'Usure du Temps que vous allez découvrir ou redécouvrir tout à l'heure et mon film le plus personnel est probablement celui pour lequel j'ai une tendresse particulière. Donc ce n'est pas forcément les films qui ont eu le plus de succès qui sont peut-être ceux que je préfère. And finally, the last part of the question, as we're talking about films and your filmography, is there any particular director or any other person actually that truly influenced your cinema and your filmmaking? It's interesting because the answer I always give is the director that I admire the most is a British director called Ken Loach. But my work is nothing like Ken Loach's work. It's I admire the integrity of his work. And I think that's the thing that I try to learn from the most. Alors, en fait, c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on pose cette question, eh bien, je réponds, évidemment, je pense à un réalisateur anglais, Ken Loach, car pour moi, son travail est immense. Mais étrangement et paradoxalement, son cinéma et le mien n'ont rien à voir. En revanche, ce que j'admire infiniment, c'est l'intégrité de son travail. C'est en cela qu'il m'inspire. Funnily enough, I think I read when you were actually knighted
by the hands of Prince Charles, the one person you were afraid of coming upon was Ken Loach. Is that true? Oui, alors, comme il parle de Ken Loach, j'avais lu une anecdote que je veux partager avec vous. C'est que lorsqu'il a été par le prince Charles couronné chevalier, eh bien, il a dit à ce moment-là que la personne qu'il craignait le plus de rencontrer, justement, c'était Ken Loach. It's true. And then the very next day, I was walking along in Soho, in London, and coming towards me was Ken Loach. And he said, how could you? How did you accept that? You must be mad to go down on your knees in front of those people. Because he's very anti-royal family. Yeah. Alors voilà, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Et évidemment, le lendemain, sur qui je tombe en baladant à Soho, Ken Loach qui arrive vers moi. Et tout de suite, il me dit, mais comment t'as pu accepter un truc pareil? T'es dingue. Comment as-tu pu te mettre à genoux devant ces gens-là? Comme vous l'avez compris, il était assez en anti-monarchie, on va dire. Question. Un micro ici. Bonsoir. Moi, je voudrais un peu évoquer votre note éducative de vos films. Moi, quand j'étais étudiante et lycéenne en Yougoslavie, d'où je viens, qui n'existe plus, nous étions obligés de regarder Midnight Express ou après Bugsy Malone, ou même j'ai su après que les autres étaient obligés de voir Fame et Mississippi Burning. D'où vient ce vouloir de dire aux autres, voilà, il faut constater certaines choses d'actualité qu'on peut mettre, parce qu'il y a toujours cet élément de cinéma en disant c'est toujours des histoires qui sont un peu fantastiques, qui plaisent plus. Là, vous vous appuyez souvent sur les faits réels. D'où vient ce vouloir d'être bien dans notre monde? Et j'aurais voulu savoir aussi quelle est votre opinion sur le cinéma à trois dimensions et tout ça, nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, c'est a stretch dans la question. Très bien. Alors, this lady who was educated in Yugoslavia, which no longer is, obviously, remember that during classes, they were asked to watch Mississippi Burning, Midnight Express, Fame or Bugsy Malone. And it's true that very often your cinema is based or was based on certain real facts, political, social, etc. What made you, in a way, interested to film that, to, in a way, be a citizen of the world in your films? The difference between whenever I go to film schools now, for instance, to talk, and you talk to young filmmakers, the thing that I always say, which is the most important, which was I was very fortunate at a period of time that you could make films because you had something to say, because you felt that film was important and it was a fantastic way to communicate ideas, whether they be social or political. And then because the cinema now has become the cinema of American superheroes and digital films, there are few people now with that kind of political or social voice. They're being done, but very small, independent films. And so I think that's the thing, is that that it was a sign of the times, really, that my mentor was a man called Fred Zinnemann, who's a great American director. And he said, Alan, being a film director is a great privilege, so don't waste it. So I've tried not to do that. I think that film should have something to say. And the best thing is when you've done a film and then you, at the end of the film, people talk about it. They go home and they talk about it, and the ideas in the film make you think, and that's what film should be. But too many films today, sorry, long answer. Okay. Too many films today, the moment you've left the cinema, you forget the film. So that was the point, really, of what we tried to do is to have something to say, because cinema is a fantastically strong way to communicate. Alors, c'est vrai que c'est surtout lorsqu'aujourd'hui je vais dans des écoles de cinéma et que je m'adresse à de futurs
jeunes cinéastes, c'est vrai que je leur dis toujours que le plus important, c'est d'avoir quelque chose à dire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, car à mon époque, c'était le cas. Le cinéma était vraiment le média le plus fantastique pour propager les idées, qu'elles étaient à l'époque sociales ou politiques, etc. Aujourd'hui, cinéma américain en particulier, on est en train d'être dans un cinéma de super-héros, un cinéma numérique. Il y a très peu de voix dans le cinéma actuel, de voix sociales ou politiques, sauf évidemment dans les films indépendants. Donc je crois que mon cinéma, ce que vous dites, eh bien, était tout simplement le reflet de l'époque qui m'autorisait à parler de cela. Et je me rappelle de mon mentor, Fred Zinman, qui était un cinéaste extraordinaire, qui disait que être cinéaste, c'était un immense privilège. Et donc, il ne fallait pas gâcher ce privilège, ne pas le s'en servir comme tel. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mes films. C'est vrai aussi que ce que j'aime lorsque l'on sort d'un film et que des spectateurs rentrent chez eux et discutent ensemble d'idées du film, de ce que le film voulait dire, eh bien pour moi, c'est la chose la plus importante. Or, aujourd'hui, malheureusement, je pense que la plupart des films que l'on voit, eh bien dès qu'on sort d'une salle, eh bien ils sont aussitôt oubliés. Et donc, voilà, c'est ça qui est important, c'est de continuer à penser que le cinéma est une des armes les plus puissantes pour parler de notre temps et de notre société. Well, the lady was actually talking about, what do you think? You almost answered that by saying, what do you think about, you know, the new 3D movies and the, you know, all this, the computer generation movies and all that? I mean, you almost said it, but this was part of the question. I think it's, you know, it's fine. It's has a place in cinema. It's just it's not what I do. And the only sad loss is that cinema used to have a multiplicity of subject matter, and now unfortunately it's become very narrow, and the kind of films that are being made are for a very particular audience. So that you know, different subjects are just not tackled. They're not people. It's too easy in Hollywood because they're only interested in the money, and the money is in younger audiences for these kind of films. It's okay. Some of them are quite brilliant, I think, with regards to the technology. It's a different cinema to the cinema that I represent. Which one do you find brilliant? See, I'm listening. Very good, yeah. You don't know. Alors, c'est vrai que ce qui concerne la 3D, bien sûr que la 3D fait désormais partie de l'histoire du cinéma. Ce n'est simplement pas mon cinéma. Ce que je constate surtout et déplore, c'est la perte de films qui abordaient des tas de sujets différents. Aujourd'hui, le public a finalement un choix beaucoup plus réduit. On parle de sujets, de moins en moins de sujets. Et c'est vrai qu'à Hollywood, eh bien, aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Et comme l'argent vient d'un public assez jeune, eh bien, voilà ce que l'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des films qui sont formidables avec une technologie assez brillante, mais ce n'est simplement pas mon type de cinéma. Question, où sont les micros? Talking of interesting subject matter, now it seems to be taking place on television. Are you tempted into ever getting into television? Because, I mean, television seems to be going through the golden era that cinema seemed to be doing in the 1970s. Yeah, that's very, very true, yes. I think, particularly in the United States, nearly all the good writing is on television. It's somewhat limited in that obviously the budgets are smaller, and therefore the ambition of the films is less than the feature film. So there is a negative there. But no, I've done, again, I find my own approach to film is that's what I did. I was fortunate enough to make films when you could have large budgets to make films of some scale. That also had something to say, that were of serious nature. Most of television is made for a lot less money, and therefore it's a different kind of filmmaking that doesn't necessarily
attract me. So that's really my answer, I suppose. But I agree with you. From the point of view of good work, it's alive and kicking on TV. Alors voilà, c'est vrai que vous avez raison, surtout aux États-Unis, effectivement, les meilleurs scénaristes se trouvent aujourd'hui à la télévision. Mais c'est vrai que les budgets étant moins élevés, l'ambition, évidemment, est également moins grande que, effectivement, sur un grand écran, une distribution mondiale. Mais c'est vraiment le seul aspect négatif, si je puis dire. C'est vrai que j'ai eu la chance, comme je le disais, à l'époque, de pouvoir avoir des budgets importants et de faire de grands films, mais qui voulaient aussi dire quelque chose. Il y avait un véritable discours et de vrais sujets. Donc c'est vrai que la télévision le permet moins. C'est une autre forme de cinéma. Et ce n'est pas forcément, de nouveau, le cinéma qui m'attire. Mais c'est vrai que j'apprécie effectivement la télévision, enfin les séries actuelles, évidemment. By the way, is it really, really true that you will not film anymore? Come on. 2003, Life of David Gale? Come on. Yeah, no, I have no intention of making any more films, no. You make me very sad. I'm enjoying my life. Yeah, you're right. Non, j'essayais quand même la vie de voilà David Gale. J'avais envie de l'entendre dire peut-être aujourd'hui pour nous ou non. Je vais recommencer, mais visiblement, Sir Alan Parker est très heureux avec sa vie aujourd'hui. Question, où sont les micros? Où sont-ils? Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Où sont les micros? Ici. Bonjour. Good evening. Greetings from the Bahamas. I was wondering which film would you want to be remembered by, and if you would mind sharing why? Thanks. Alors voilà les films dont il aimerait que l'on se souvienne. Well, it's similar to the question here. It's I'm actually, you know, the French have the theory that you shouldn't be judged by one film, but you should be judged by a body of work, and I think it's the consistency of the work which is probably what I'm most proud of and what I would like to be remembered for rather than any individual film, to be honest. I think it's not a very good answer, is it? But Well, it's yours. Alors, c'est vrai que c'est assez proche de la question de monsieur qui dit, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une théorie que vous avez ici en France, qu'on ne doit pas juger un cinéaste sur un de ses films, mais sur l'ensemble de son œuvre. Donc, c'est vrai que je suis assez fière d'avoir eu une certaine constance dans mes films. Et voilà, pour être honnête, c'est plus à travers mon œuvre entière que j'aimerais qu'on se souvienne de moi. But actually, isn't there nothing that you're missing? I know you're doing lots of things, but aren't you missing something about movies? Maybe the film sets, nothing? Well, I'd agree with, you know, the camaraderie of the film set is great. And I miss working with people that I worked with, you know, for many years. I love just the atmosphere of a film set. Sometimes, on the other hand, a film set can be the worst place in the world to be. But I really don't miss it. I'm sorry to tell you this, but I don't, not for one second. Alors voilà, je suis navrée de vous le dire, mais c'est vrai que ça ne me manque pas. Ce qui me manque parfois, c'est un peu ces amitiés que l'on crée sur les plateaux de tournage. Alors ça, évidemment, cela me manque aussi, puis l'atmosphère. Mais parfois, certains plateaux, certains tournages sont tellement terribles. Donc non, vraiment, ça ne me manque pas. Question, où est le micro maintenant qu'on vous voit? Oui, pour revenir sur la filmographie de Sir Alan Parker, sur Birdie, qui est peut-être pas eu un grand succès, mais qui est quand même un film culte pour beaucoup de monde, dont moi-même. Sur quelques précisions sur comment s'est fait l'accès au roman de William Wharton qui a inspiré ce film et la collaboration avec Peter Gabriel, ainsi que dans la réalisation, il y a énormément de plans incroyables dans ce film. Voilà, comment s'est passé voilà, ce tournage sur ces planches, notamment au plan qui est un plan subjectif d'un oiseau. Et aujourd'hui, on dirait que ça serait tourné par un drone. Mais à l'époque, comment c'était fait, quoi? Well, now we're going to talk about Birdie, which is a cult film to many, and certainly to this gentleman. I want to know, how did you get, in a way, access to Wharton's novel, and how did you work with Peter Gabriel as well in the film,
and also because there's some incredibly visuals, especially there's, I mean, among the incredible visuals, there is a subjective shot of a bird that today, I mean, we would think almost it was shot with a drone, which obviously it was not. So could you tell us about this incredible experience on Birdie? Well, the script came to me as a finished script, which is very unusual because normally I write my own. But this came to me as a screenplay, and it was based on William Wharton's novel, but they had, the two writers, American writers, had changed it from Second World War to being after Vietnam, to make it slightly more relevant to contemporary American audiences. So the screenplay, and then I worked with them on the screenplay, and then we did another screenplay. And that's the one that we filmed. And then when I finished the film, I'd edited about an hour of the film, and I had experimented with pieces of Peter Gabriel's music that I'd taken off of his old albums. And so then we asked Peter if he would come to see the film, about 60 minutes of the film. And he agreed to do the music, but he was very busy doing an album, which he was very late in delivering. So I phoned his boss at the record company. It was a guy called David Geffen, Geffen Records. And he said, I said, can I borrow Peter for just a very brief period of time? And he said, well, he's been doing this album for 3 years, so you're never going to get a soundtrack in 3 months. And so what we did, and the album that he was doing turned out to be a very successful album because it was So was the name of the album. And so we went back to all the original Peter Gabriel 24 tracks, tapes. And because he, so much of his music you don't hear on the album, so we would just take pieces of music that had not been mixed in to his original tracks. So everything had really already been done. He did some original stuff, but mostly it was stealing from his own tracks, really. And so that's why that we were able to do it in a short period of time and prove David Geffen wrong. But that's how it came to be. And then the other part of... Did you want to answer that? Or? Yeah, maybe. Yeah, okay. Maybe. Alors, ce qui est très inhabituel, c'est que le scénario m'est arrivé pratiquement terminé, ce qui est très rare chez moi, puisque d'habitude, j'écris mes scénarios. Mais là, effectivement, c'est tiré du roman de Walton. Mais ça avait été réécrit par deux scénaristes américains qui avaient transposé la période historique de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient transposé au Vietnam, ce qui, effectivement, était plus actuel pour un public américain. Alors, j'ai travaillé avec eux sur le script à nouveau. Et donc, nous avons en réalité filmé sur ce scénario que j'avais retravaillé avec les deux scénaristes américains. Et lorsque nous avons fini, eh bien, j'ai monté à peu près une heure du film. Et pendant que je montais, eh bien, j'écoutais beaucoup des morceaux de Peter Gabriel, de ses vieux albums, en fait. Et donc, j'avais envie qu'il vienne voir les 60 minutes de mon film. Et il est venu et il était tout à fait d'accord pour écrire la musique. Mais en même temps, il était en train de préparer un album. Et il était très en retard sur cet album. Donc, j'ai carrément appelé son boss, David Geffen, qui était le légendaire propriétaire des David Geffen Records. Et je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter Peter Gabriel pour quelques mois. Et donc David Geffen s'est marré et m'a dit, ça fait 3 ans qu'il travaille sur son album, je doute qu'il puisse écrire la musique de ton film en 3 mois. Et d'ailleurs c'était l'album So qui après était qui a eu un énorme succès. Alors ce qu'on a fait, c'est que on a récupéré des bouts d'enregistrements plus anciens de Peter Gabriel, qu'on entend d'ailleurs à peine mixés dans d'autres, évidemment, pistes musicales. On a mis tout cela un peu ensemble, donc on a volé en quelque sorte, avec son accord bien sûr, des morceaux de ses propres enregistrements plus anciens, et on a mis cette musique finalement qui a nappé ainsi tout mon film. Donc j'avais raison et David Geffen avait tort. Alors, the other part of the question, ah oui, the visuals, the incredible, yeah. Like,
It's true. It's amazing. We had to simulate the flight of a bird, and we were in Philadelphia, and the man who invented the Steadicam, which is a camera that is, which is used on many films, he had a new invention, which he called the Skycam, and it was on these wires, and it was all computerized, and I choreographed a quarter of a square mile of Philadelphia to be 1960s with cars and people, and we were going to fly with this new invention. We were going to fly, it's basically a camera on the end of wires, we were going to fly it around this area. And so we did it the first time, and I said, can we go faster? And the camera, we were looking at the monitor, and the camera hit the ground and just blew up. And so we'd wasted all that time, really. So we just had to think on our feet. And so we used the old Steadicam. We built ramps, and we were on bicycles. And it's one of those situations where when everything goes wrong, you really have to think of other ways of doing it. And it's an illusion of editing that we put it all together, and it seems to work. But you're right, it would be much easier to do it with a drone now. But or even you can strap a camera to a real bird would have been a very good idea. Alors pour vous parler effectivement du vol de l'oiseau, c'est vrai que on devait effectivement évidemment filmer en simulation le vol d'un oiseau. On était à Philadelphia et du coup on a contacté l'inventeur de la Steadicam, qui en fait avait un nouveau système, une nouvelle caméra qui s'appelait la Skycam, qui était en fait une caméra aussi qui était reliée par des fils, des filaments, etc., qui était reliée aussi avec des moniteurs, etc. Et donc j'ai essayé de chorégrapher, si je puis dire, un bout de terrain. J'ai redupliqué le Philadelphia des années 60 avec les voitures d'origine, etc. Et je voulais que cette nouvelle caméra, la Skycam, eh bien, vole au-dessus de ce terrain qu'on avait délimité. Et puis à un moment, j'ai demandé à ce qu'on aille plus vite. Et comme on était en train de tout regarder sur le moniteur, on ne s'est pas du tout rendu compte que du coup, la caméra, eh bien, elle a atterri assez violemment sur le sol, évidemment, a explosé en mille morceaux. Ce qui fait que tout ce qu'on avait filmé était complètement foutu. Et je me suis dit, bon, ben, retour à la case départ, on va utiliser la bonne vieille Steadicam. Et là, alors, on a pris avec des rampes, des vélos. Enfin, c'était un vrai, comment dirais-je, non pas bidouillage, mais ce qui prouve que vraiment, quand tout va mal, eh bien, tout va vraiment mal. Mais finalement, c'est grâce à l'illusion du montage que vous avez vu les images qui sont là. Mais c'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, on utiliserait un drone, soit encore plus simple, on attacherait une caméra sur l'oiseau. Voilà. Question. Où sont les micros de nouveau? N'hésitez pas à les faire circuler. When I see the title, an Alan Parker film, the film that jumps out at me always is Angel Heart. I was wondering if you could tell us a little bit about that. And also, what was it like to work with Mickey Rourke and Robert De Niro at that time? Eh oui, Angel Heart, voilà. Mickey Rourke, De Niro, voilà. Monsieur dit qu'à chaque fois qu'il voit un Alan Parker film, il pense immédiatement au chef-d'œuvre qu'est Angel Heart. The book was given to me one day at Pinewood Studios. I was having lunch, and a producer called Elliot Kastner put the book down. The book was called Fallen Angel, and on the front cover it said Raymond Chandler meets The Exorcist, which I thought that's a pretty good start, you know. So I then rewrote the whole piece, changed it from all New York, put it in most of it in New Orleans, and I changed so much of it that I thought it deserved a different title, which is why I called it Angel Heart. And it was, you know, I was very, very pleased with the script. I originally asked Marlon Brando and Jack Nicholson, and
both of whom said no. And then I asked De Niro if he would play Harry Angel part. And he said, no, you prefer to play the devil. And so I then had met with Mickey Rourke, and Mickey said I mustn't talk to anybody else because he was going to do it. And so we ended up with him playing Harry Angel and De Niro then playing the devil. So that's how that happened. Can you do that bit? Yeah. Alors, c'est vrai que on m'a donné. J'étais à Pinewood en train de déjeuner quand le producteur Elliot Kastner est venu et m'a posé un livre devant moi qui s'appelait à l'époque Fallen Angel. Et le pitch, c'était Raymond Chandler rencontre l'exorciste. Donc, je me suis dit, bon début. Mais en fait, j'ai tout réécrit de ce scénario, j'ai changé, ce n'était plus New York, mais c'était la Nouvelle-Orléans. Et finalement, j'ai tellement changé le propos du film que j'ai trouvé que ça ne pouvait plus s'appeler Fallen Angel, mais Angel Heart. Alors, j'étais tellement heureux de ce scénario que je suis allée voir Marlon Brando et Jack Nicholson, qui tous les deux m'ont dit non. Je suis allée voir De Niro pour lui faire jouer le rôle de Harry Angel. Il m'a dit, Harry Angel, non, mais moi, j'ai envie de jouer le diable. Alors, je suis allée voir Mickey Rourke. Il lui a dit, surtout, ne cherche plus, ne parle plus à aucun acteur. Moi, je veux faire Harry Angel. Et c'est comme ça que j'ai eu le diable, De Niro, et Angel, Mickey Rourke. You okay? I am totally okay. I think I need a drink. Water is pretty boring, but I'll have it. Okay. And then the two of them, you ask, working together. It was quite interesting because they were so terribly different in that you had De Niro, who was very meticulous, every single little detail he needed me to explain, and he was very thoroughly prepared, down to the tiniest little detail. And then there was Mickey, who was the absolute opposite, who had no preparation and just turned up. And when they did the first scene together, it was really interesting because it wasn't like an acting scene, it was more like a boxing match. And the two of them were so suspicious of one another. And then the two of them started to improvise. And then they improvised and improvised. And suddenly they weren't talking about anything to do with the movie or my scene that I'd written. So I had to bring them back to what was written. And I noticed that Mickey, his hands were dripping water. And in each hand he had an ice cube. And he was just gripping this ice cube throughout the whole scene with De Niro. And I had two cameras on it, which is unusual, because I never knew what would happen. You know, you were looking for something spontaneous. And that's where Mickey is so brilliant, is that he was fantastically spontaneous. He always, if something happened that was unusual, he would work with it, and suddenly it would be special most of the time. Sometimes it was nonsense, but a lot of the time it was very special. So two fantastically wonderful actors, but totally different in their approach. Alors voilà, c'est vrai que vous me demandiez aussi de parler un peu de leur travail. Alors c'était deux acteurs qui avaient une approche complètement différente. De Niro, méticuleux, chaque détail, des explications arrivant hyper préparées jusqu'au moindre détail. Mickey, l'absolu contraire, aucune préparation, il arrivait. Et ce qui était formidable, c'est que la première scène qu'ils ont tournée ensemble, pour moi, reste un vrai souvenir. C'était très intéressant parce qu'en fait, ils ne jouaient pas du tout. C'était plutôt, j'avais l'impression d'assister à un combat de boxe où tous les deux s'observaient avec une extrême méfiance. Et puis soudain, ils se sont mis à improviser de plus en plus. Et soudain, je veux dire, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient n'avait plus rien à voir, ni avec mon film, ni avec la scène, ni avec le dialogue. Et à un moment, j'ai remarqué que les mains de Mickey Rourke étaient complètement... Il y avait de l'eau qui s'en échappait. Et je me suis rendu compte que pendant toute la scène, il avait retenu dans ses mains des glaçons qui donc coulaient. Et c'était sa façon à lui d'être dans cette énergie-là. Alors, c'est vrai que j'avais deux acteurs extraordinaires qui pouvaient jouer avec finalement des choses qui arrivaient même à la dernière minute, avec de l'improvisation. Et Mickey en particulier était assez incroyable, car s'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas écrit ou prévu,
la plupart du temps, bon, parfois, ça ne marchait pas, mais la plupart du temps, il arrivait à faire de cela quelque chose d'absolument unique et de tout à fait spécial. Donc voilà deux fantastiques acteurs dont je me souviens encore aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci, Sir Alan Parker. Thank you. Thank you so much.